Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo coloriage. Alors, on a déjà fait quelques vidéos coloriage mystère sur la chaîne. Il y a de ça environ un an, je dirais. Je vous ai fait une vidéo big craquage, un big unboxing craquage, on va dire, sur la chaîne. Et j'avais acheté tout le matériel pour faire du coloriage classique. Donc des livres, des crayons de couleur, ce taille crayon qui est très connu. Je crois que c'est le DAL 130, non. Alors il faut pas me demander les noms avec moi parce que c'est très compliqué. Mais ceux qui font du coloriage vont reconnaître ce taille crayon. Voilà, j'avais acheté pas mal de matériel. Ça m'avait coûté une petite fortune parce que j'avais tout acheté d'un coup. Et depuis ce temps-là, je fais principalement du coloriage mystère, mais par faute de temps, on va dire, il est rare que je parte sur du coloriage au crayon de couleur dans des livres normaux. Alors là, j'ai eu une pulsion il y a 3 jours, j'avais absolument envie de faire un coloriage au crayon de couleur, et je me suis dit, pourquoi pas vous prendre en vidéo, voilà. Alors, je tiens à préciser que dans ma vidéo, vous n'allez rien apprendre aujourd'hui, puisque je suis totalement débutante avec les crayons de couleur. Voilà, c'est très très rare que je regarde des tutos coloriage, il faudrait que je m'y mette, mais du coup je fais un petit peu comme je le sens, et peut-être qu'il y a des choses qui vont vous choquer, je sais pas, dans ma manière de faire, enfin, j'essaye de faire des dégradés, mais j'ai sûrement peut-être pas la bonne technique, enfin, c'est vraiment... Alors d'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont douées dans le colo, qui remarquent des mauvais gestes ou des mauvaises habitudes que j'ai, n'hésitez pas à me donner des conseils parce que là, pour le coup, c'est vous qui allez m'apprendre des choses. Et d'ailleurs, vous m'apprenez très souvent des choses, même dans le point de croix et dans le diamond painting, parce que y a régulièrement des abonnés qui commentent et qui m'apprennent plein de choses. Voilà. Donc je voulais juste vous dire ça, hein, que c'était... alors... En anglais, on dit un color with me. Moi, je vais sûrement appeler ça on colorie ensemble ou un truc du genre. Mais voilà, je ne vous ai pas pris dans le but de vous donner des astuces sur comment faire un dégradé ou comment dessiner ça. Non, je vous ai juste pris en vidéo pour vous partager mon petit colo et puis pour qu'on puisse discuter ensemble. Voilà. Alors, j'ai pris ce super beau livre qui vient de chez Amazon. De chez Amazon. Et c'est Johanna Basford qui l'a fait et c'est un très très beau livre. Isa et moi en a le même et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre. Franchement, il est très très beau. Voilà, donc je ne vais pas vous faire une présentation du livre. On peut le feuilleter juste rapidement ensemble pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Alors ça peut être très sympa aussi pour ceux, parce que je sais qu'on me suit principalement sur ma chaîne pour le point de croix et pour le DP. Sûrement un petit peu aussi pour le colo mystère. Et puis mes autres activités. Mais du coup, ceux qui font pas de colo et qui regardent ma vidéo, ben voilà, vous allez pouvoir regarder rapidement le livre. Alors, mais vraiment rapidement. Alors, je vais peut-être dézoomer un tout petit peu. Hop. Voilà, en fait, j'aime beaucoup, c'est le style. Je vais pas prendre page par page, je vais prendre au hasard. C'est le style de ce livre. Voilà, je le trouve très très beau. Il y a beaucoup de maisons dans ce livre. Des maisons de tout style, là c'est un petit peu les maisons style, on va dire chinois, je sais pas si on dit chinois ou japonais, mais vous m'avez compris, parce que je sais que c'est pas la même chose, voilà, donc vous voyez on a des super beaux colos, celui-là j'adore, ça par exemple c'est un petit peu moins mon style, mais pourquoi pas, voilà, ça j'adore totalement, celui à côté aussi, je me vois bien faire ce colo et mettre plein de couleurs différentes, du mauve, du rouge pour le coulis à la fraise, du marron pour le chocolat, du rouge là ici pour les petites cerises, enfin vraiment il y a de quoi s'éclater, ici tous les gâteaux et tous les bonbons, on peut les faire de couleurs différentes, voilà, ça c'est une double page et je trouve ça tout simplement magnifique. Voilà, et en plus les pages, alors je ne vais pas vous dire le gramme du papier, le nom du papier, rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est épais. Voilà, c'est épais, et mais j'ai déjà quand même regardé quelques vidéos de colo, et les personnes qui s'y connaissent plus dans le coloriage, qui ont déjà présenté ce livre-là, disent que c'est du bon papier. Voilà. Ah voilà, ce genre de colo-là, c'est tout à fait mon style.
Enfin voilà, il y a des très beaux colos. Et alors moi j'ai choisi ce coloriage-là que j'ai commencé il y a 2 jours. Voilà, je l'ai commencé tranquillement au canapé. D'ailleurs mon fils était réveillé. Et c'est rare que je puisse faire des activités, enfin surtout du coloriage, quand il est réveillé. Mais je me suis dit, comme c'est des crayons de couleur, bah même s'il me donne un petit coup et que je dérape, bah je pourrais toujours essayer de corriger. Quand c'est du feutre, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Alors je voulais un petit peu un coloriage style automne. Alors là, vous allez me dire, c'est pas vraiment un coloriage qui fait penser à l'automne. On a les petits escargots de sortie, les petites fleurs qui sont en train de fleurir. Mais je sais pas, je pense que c'est le champignon qui m'a fait penser à l'automne. En tout cas, je l'ai trouvé très beau et je me suis dit pour une reprise du coloriage, parce qu'il faut savoir que moi dans ma vie, j'ai à tout casser. Depuis que j'ai fait le gros unboxing, pardon, j'ai à tout casser fait 3 coloriages au crayon de couleur. Voilà. Au feutre, sans mes coloriages mystères, j'en ai fait plus, j'en ai fait environ 20aine. Mais les crayons de couleur, voilà, j'en ai fait à peu près que 3. Et c'est vraiment, vraiment pas l'envie qui m'en manque. C'est surtout le manque de temps, en fait. Je me dirige principalement sur le DP, le point de croix. Et là, j'ai décidé d'écouter mes envies et de faire un petit peu de colo. Alors, j'ai fait les fleurs ici en bleu. Voilà. J'ai essayé de faire un petit dégradé. Alors, j'ai sorti mes Prismacolor. Donc ça, c'est mes crayons les plus onéreux que j'ai, on va dire. J'ai aussi des Polychromos, mais j'ai seulement la boîte de 20. Voilà. Donc ça, j'ai la gamme entière et je fais mes colos avec ça. J'ai aussi les Brutfeuner et les Castle Art, mais pour l'instant, je ne les utilise pas et il faudrait que je les prenne pour m'en servir. Voilà. Mais pourquoi pas aussi avec les Brutfeuner, essayer de faire des colos mystères au crayon de couleur. Alors. J'ai sélectionné plusieurs couleurs. J'ai envie de faire ces petites fleurs qui sont là sur le côté. Donc j'ai pris 3 sortes de jaune pour le bouton, le... Comment ça s'appelle? Je sais plus. Bon, pour le milieu de la fleur, on va dire, et pour les pétales, j'ai pris 3 sortes de violet. Voilà. Ça, c'est des petites bases que j'ai connues quand j'ai regardé des vidéos. Pour faire un dégradé, il faut 3 couleurs. Du plus foncé au plus clair. Mais bon, après, reste la technique et bon. Je suis plutôt contente de mon dégradé des fleurs bleues, mais c'est vraiment du débutant, quoi. Hein, c'est, voilà. Et si, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite... vous voyez le contour de la pétale là? On ne voit plus les contours noirs. En fait, j'ai voulu faire un test que j'avais vu sur une chaîne, c'est-à-dire de passer sur les contours noirs du Posca. Sauf que là, en fait, le Posca que j'ai passé, c'était un bleu clair. Et en fait, j'aurais dû prendre un bleu foncé, mais j'en avais pas. Donc le bleu clair, ça faisait vraiment pas beau. Donc j'ai repassé au bleu plus foncé sur le Posca et j'ai décidé de m'arrêter là. Alors quand je vois en caméra, je me dis peut-être qu'en fait, cette pétale-là, elle est pas mal par rapport aux pétales qui sont simplement avec le contour noir. Mais à voir. Si je fais ça, il faudrait que je repasse tous les contours au Posca bleu clair. Parce que comme j'ai dit, j'en ai pas de foncé. Et ensuite au crayon de couleur que je repasse sur le Posca. Ça permet en fait d'éliminer les contours. Mais ça, j'avais vu ça sur une vidéo un jour. Voilà, et bien écoutez, on va. Alors, je vais vous remettre en zoom 1. Et alors, j'ai jamais colorié. Déjà, j'ai du mal à colorier. Mais alors, en caméra, ça va être show tonight. Mais on va y arriver. Je vais commencer avec le centre. Je me dis que j'ai peut-être pas pris un. Alors, vous voyez ce que j'ai du mal dans les dégradés, sans parler du fait de quand je colorie, les couches par couche et tout, ça c'est compliqué, je pense qu'il faut de l'entraînement, mais j'ai déjà du mal pour les choix des couleurs. Je sais toujours qu'il faut en prendre un foncé, un moyen et un clair, mais des fois quand je fais le dégradé, je trouve que c'est pas assez dégradé, que limite ça se voit pas. Donc, je me dis peut-être qu'il faudrait que j'en prenne un plus foncé. Vous voyez qu'il y a vraiment un grand écart entre la couleur foncée, la couleur moyenne et la couleur claire. Alors là, je ne sais pas si ça suffit, mais par exemple, je me dis que j'aurais peut-être dû prendre un plus foncé pour le marron, pour vraiment que l'ombre se voie. Enfin, on va tester. De toute façon, moi, je suis débutante, donc je fais des tests. Alors, je vais essayer. Vous voyez, mes Prismacolor, ils sont dans ma trousse ici. Il en manque quelques parce que j'avais un colo en cours de l'année dernière, et j'attends de le finir avant de ranger mes crayons de couleur. Alors, je réfléchis. Ah ça, je suis dégoûtée, ce crayon-là, il a hyper diminué parce que j'avais fait un coloriage mystère avec. Pardon. Et je me suis dit, plus jamais
Les coloriages mystères au Prismacolor. Non merci, ça coûte trop cher et ça diminue trop vite. Donc j'aimerais bien tester, retester, puisque j'en ai fait qu'un de coloriage mystère au crayon de couleur. Donc j'aimerais bien retester d'en faire au crayon de couleur, mais à ce moment-là, je prendrai mes Brut Fenner ou mes Castel Art. Alors ça c'est pareil, j'ai toujours peur d'user ma mine, de tailler, en fait de tailler alors qu'elle est déjà pointue. Alors il me semble que quand elle est taillée au maximum, ça tourne dans le vide, mais je suis pas sûre donc j'ose pas. Voilà donc. Là, on est jeudi. Alors, c'est chiant parce que j'espère que vous n'allez pas en vouloir. Je vais mettre le livre de côté parce que sinon, ça ne va pas aller. On est jeudi et mon fils est à la crèche. Voilà. Je devais vous tourner la vidéo hier, mais il dormait et il s'est réveillé au moment où j'étais prête à filmer. Donc, là, il est à la crèche, c'est sa semaine d'adaptation. Donc, il y est pour 2 heures. Là, dans à peu près 1 heure, 1 heure. Je dois aller le rechercher. Alors, vous voyez déjà là, je pense que je suis trop partie au centre. Ce qui fait qu'il ne me reste plus beaucoup de place pour mettre les couleurs claires. Mais bon, je fais comme je le sens. Et puis, on verra bien. Donc voilà, j'ai décidé de vous tourner la vidéo maintenant. Je me suis dit c'est le bon moment, il ne pourra pas se réveiller puisqu'il est à la crèche. Donc j'espère, je vais vraiment vous faire. Vous n'allez pas voir la réalisation du coloriage dans cette vidéo. On va juste faire une ou deux fleurs ensemble. C'est vraiment pour papoter ensemble. Et je me suis dit, tiens, je ne vous prends jamais sur du colo. Donc voilà. Parce qu'en fait, après, j'ai une autre petite vidéo à vous filmer où on va commencer un objet spécial en DP ensemble. Donc, c'est pour ça que idéalement, j'aimerais que cette vidéo se fasse entre 30 et 40 minutes. Mais vous inquiétez pas, à l'occasion, quand le coloriage sera terminé, je vous ferai voir le résultat pour. J'avais créé un Instagram. Un Instagram, je vais y arriver, tout simplement pour publier à la base mes coloriages mystères. Et au final, je l'ai créé cet Instagram et j'y vais jamais. Et il me semble que j'ai jamais publié de coloriage fini. Donc, faudrait que je m'y mette et pourquoi pas vous, dès que j'ai un colo de fini, vous le mettre sur Instagram. Mais moi, je préfère vous faire des vidéos. Le problème des vidéos, c'est que vous ne voyez pas tout de suite le résultat des fois, parce que parfois, j'attends d'avoir 3 ou 4 colos de fini pour vous les faire voir. Voilà, je parle des colos mystères. Mais ouais. Pourquoi pas? D'ailleurs, je ne sais même plus comment j'ai appelé mon Instagram. Oh là là, c'est une cata à se dégrader. Encore lui, il passe, mais c'est pas grave. Je vais essayer de l'améliorer. Alors, je sais que avec les crayons de couleur, il ne faut pas appuyer fort, il faut y aller au couche par couche. C'est pas forcément toujours évident. De toute manière, c'est comme tout, hein. Il faut s'entraîner pour y arriver de mieux en mieux. J'ai un blender aussi blanc pour mélanger les couleurs. Je sais pas si ça sert vraiment. Je m'en suis déjà servi, il me semble, mais. Voilà, donc petit loulou à la crèche, il va faire son premier goûter. J'espère que ça va bien se passer. Qu'il va pas être trop casse-bonbon. Mais voilà. Bon, je préfère ce dégradé-là par rapport à lui. Je trouve que lui est un peu plus fondu que lui, mais ouais.
Mais bon, je pense que quand il sera fini dans l'ensemble, ça ira. Hein. Alors voilà, je vais prendre maintenant. J'ai pris des violets. Alors déjà à la base, quand j'ai fait les fleurs, quand je suis arrivée aux fleurs là, je me suis dit, je vais en faire une bleue, une verte, une rouge. Et après, je me suis dit, si je fais toutes les fleurs multicolores, ça va faire trop de couleurs. Et ça, c'est pareil. Un jour, j'avais vu une vidéo qui disait, attention de ne pas s'éparpiller avec les couleurs, parce que sinon, à la fin, ça peut vite ne rien donner. Donc j'ai dit, je vais les faire tous bleus. Le champignon, il sera en rouge à la fin. Ici, bah, ça va être un dégradé de marron. Et le pied du champignon, on va dire, ça sera un beige. Je voulais faire la porte en marron et au final, je l'ai fait en gris. Je sais pas ce que j'ai bidouillé. Allez, c'est parti. Alors là, c'est des fines pétales. Je sais même pas comment je vais avoir la place de dégrader. Ouais, bon, on va faire. On va essayer. C'est pas évident, vous voyez, dans une fine pétale comme ça, de faire un dégradé de trois couleurs. Alors peut-être que deux suffiraient, je sais pas. Et alors, je ne sais pas du tout ce que je vais faire en fond de colo. J'ai jamais fait de fond de coloriage. Le seul fond que j'ai déjà fait, c'est au Néocolor 2. C'est ceux-là, hein? Les Cré-Grasse Aquarellable. Ouais, c'est les Néocolor 2, je crois. De Faber-Castell. J'en ai une. Je les ai pas tous, hein? J'en ai. Je crois que j'en ai 30 et quelques. Mais voilà, c'est le seul fond que j'ai déjà fait. D'ailleurs, je ne vous l'ai jamais fait voir le colo. Il faudrait que je vous le fasse voir un jour. Bah, pourquoi pas finir celui-ci et dans la même occasion vous faire voir l'autre. Ouais, bon, on se moque pas, hein, s'il vous plaît. Ça fait une petite touche de lumière comme ça. Bon, c'est pas évident, hein. Mais bon, je me dis que peut-être dans 2-3 ans, mes colos. Si je ferais du colo tous les jours, je vous dirais dans 6 mois, on pourrait voir une évolution. Mais là, le problème, c'est que j'en fais pas assez de colo. Donc, bah, je vous ai fait l'unboxing il y a un an. J'aurais fait du colo tous les jours, j'aurais déjà un niveau pas mal, quoi. Je serais pas une experte, mais ça serait déjà bien au niveau des dégradés et tout. Mais là, c'est vrai que. Et j'y pense souvent à faire du colo. Hein. Mais bon. Ah, vous voyez, d'habitude, quand je fais du coloriage, j'ai le nez vraiment collé au colo, quoi. Je crois, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit ça, mais vraiment, j'ai le nez. C'est comme quand j'écrivais en cours. J'étais bientôt allongée sur ma feuille et les professeurs, ils me disaient, on dort pas, mais je dormais pas. C'était ma position confortable pour écrire et puis m'appliquer, quoi. Bon, alors le colo, c'est du couche par couche. Normalement, on est censé passer peut-être 2-3 fois pour bien dégrader. Peut-être que je le fais pas assez. Mais j'avoue que j'ai peut-être pas la patience de passer 3 fois la même couleur sur une petite pétale, je sais pas. Souvent, j'utilise deux fois mon crayon. C'est-à-dire que là, le foncé, je le prends une fois. Et je vais le reprendre une fois en dernier. Enfin bon. Au fur et à mesure, je vais trouver mes petites techniques. Il faudrait que je regarde des tutos, hein, parce que je me doute qu'on apprend énormément avec des tutos. J'en ai déjà regardé quelques, j'ai déjà regardé la base, comment faire un dégradé. Mais c'est vrai que j'en regarde pas énormément. L'année dernière, j'avais commencé un colo de Noël. J'avais regardé comment faire du parquet. Comment faire l'effet lumière aussi ou bougie. Bougie, j'avais déjà regardé. Mais vous voyez là, si quand je vais faire cette petite bougie-là, je vais aller regarder un tuto. C'est pareil pour faire tout le fond, la grande zone du champignon. Je vais regarder un tuto parce que j'ai. Pour essayer d'avoir une idée sur quel rouge choisir. À mon avis, il va falloir que je prenne un bordeaux, un rouge bien pétant. Et un rouge plus clair, enfin.
Donc voilà, hein. Je vais regarder un petit peu. Ça fait 20 minutes que je filme. D'accord. Ce serait dommage que j'aille rechercher mon fils en retard pour la première journée. Ce serait bête. Ah là là. Ça me fait du bien quand même de vous tourner la vidéo parce que j'avoue que pour une première. Alors, il a déjà été à la crèche tout seul, mais c'était avant-hier et c'était pendant 40 minutes. Donc là, c'est le premier vrai long temps, 2 heures avec le goûter. J'espère qu'il va pas être trop brut parce que Alice c'est un Brutus, il y a des petits bébés. Mais de toute manière, les dames sont là pour dire les règles de la crèche et lui faire comprendre ce qu'il peut faire et ce qu'il peut pas faire. Bon, à côté de ça, c'est un amour. Hein. Il fait des bisous, des câlins. Mais c'est vrai que c'est un petit garçon qui aime bien faire le bruit du dinosaure, qui aime bien foncer dans tout avec ses jouets, donc bon. Et alors, bizarrement, vous voyez, je ne m'inquiète pas pour le fait qu'il va se retrouver tout seul sans maman. Parce que alors ça, il s'en tape. Hein. Vraiment. Hein. C'est-à-dire que je l'accompagne à la crèche, il est heureux. La fois où il est resté 30 minutes tout seul et que je suis allée le rechercher, il a hurlé, il a crisé. Ça fait plaisir. Hein. Donc je suis partie, il ne m'a pas vue quand je suis partie. La dame m'a... Oh, celui-là, je ne l'ai pas assez dégradé. Hein. Enfin, je l'ai trop. J'ai l'impression qu'il est de la même couleur partout. Ouais, bon, tant pis. Et il m'a pas vu partir. Au bout de 10 minutes, il est revenu vers l'entrée. Il a dit maman. Et puis il est reparti jouer. Donc vraiment pas perturbé de ma présence ou non à la crèche. Bon, j'ai envie de dire, quand même, tant mieux. Vaut mieux ça qu'il pleure des tonnes et que ça fasse mal au cœur, bah, et de lui et de moi. Donc voilà. Et alors demain, c'est le dernier jour de la semaine d'adaptation. Donc on partira peut-être sur du 3 heures à la crèche ou on va refaire 2 heures. Et à partir de la semaine prochaine, il rentre à la crèche les mardis et jeudi après-midi de 14 h à 18 h. Pouvoir vous faire des lives. Trop bien. Alors il va falloir que je trouve la technique pour vous faire des lives parce que moi, j'ai un ordinateur mais il y a un virus dessus. Donc de ce fait-là, je peux pas filmer avec mon téléphone et regarder le retour, les commentaires sur le live avec par exemple mon ordi. Parce que comme j'ai dit, il y a un virus et mon père l'a pris chez lui pour le réparer, mais il n'a pas le temps en ce moment. J'ai l'impression que mes dégradés ils sont de plus en plus moches. Et donc... Du coup, bah, je vais devoir filmer avec ma caméra avant pour voir mon écran, pour voir vos commentaires. Mais si je filme ce que je fais, ah, ou bien je suis con, moi. Bah oui, je suis bête. Bah, il suffit de filmer comme là avec ma caméra arrière. Et là, je vois mon écran de devant. Bah ouais. À la rigueur, je vous mettrai peut-être tout droit. Enfin, je réfléchis en même temps pour mon live, mais là, je viens de découvrir un truc que j'ai pas de logique en fait. Parce que là, de la manière dont je vous mets, donc vous voyez ce que je fais, bah je peux voir, c'est vrai qu'il faut que je lève un petit peu la tête, mais je vois vos commentaires. Alors, c'est pas autant pratique que si j'aurais 2 écrans, mais en attendant, ça peut le faire. Donc, le premier live, ça sera sûrement sur le groupe de Point de Croix. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant. Et il y en aura aussi sur ma chaîne YouTube. Un coup, on fera du colo, un coup, enfin, ouais, du colo, un coup, on fera du DP, un coup, on fera du Point de Croix. Ouais, bon, bah ça restera comme ça. Ouais. C'est bizarre ce petit écart entre les deux pétales là, il me perturbe. Allez, je vais faire celle d'à côté. Oula. Alors ça, vous voyez, c'est quoi ces traces sur ma manche?
Peut-être que vous les voyez d'ailleurs depuis tout à l'heure. C'est mon fils, avant de partir à la crèche, il a mangé une compote de pommes. Et quand j'ai voulu le retirer de sa chaise haute, il a posé sa main sur mon t-shirt. Du coup, ça fait crados. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait 2 ans que je ne suis jamais propre sur moi. Enfin, propre sur moi, attention. Ce que je veux dire, c'est que je mets des vêtements propres, comme tout le monde, le matin. 2 heures après, ils sont sales. Ah, puis là, j'ai pas pensé à passer un coup d'éponge. Alors vous, comment allez-vous? Il fait froid en ce moment. Ça refroidit, mais alors complètement. On se caille les miches. Franchement, ça gèle. Ça, on se les gèle. Et moi, je voulais pas rallumer le chauffage hein, avant octobre. Parce que bah voilà, la facture, ça fait peur. Mais il y a 2 jours, j'ai craqué et j'ai rallumé un petit peu le chauffage au soir. J'ai rallumé pendant 1 heure, ou ouais, à peu près 1 heure. Et ensuite j'ai éteint. Il faisait trop froid. Alors c'est vrai que quand il fait froid et que je vois que j'ai pas de pull ou de chaussettes, je me dis Malo, commence déjà par t'habiller. Mais là j'avais un pull, des chaussettes, j'étais gelée. Ça c'est pareil, c'est une astuce que j'avais vue sur une vidéo de colo. Toujours avoir ses crayons bien taillés. Et au final, du coup, quand c'est comme ça, on passe son temps à les tailler. On pense qu'on les use plus, mais apparemment non. Vaut mieux les tailler plusieurs fois un petit peu que les tailler moins de fois. Mais du coup, dès qu'on les taille, on les taille un gros coup. Alors ça, je vous répète ce que j'ai vu sur des vidéos. Hein. D'ailleurs, cette astuce-là, je crois que je l'avais vue sur. C'est pas les passions de Morgane. Une jolie fille avec une frange. Fait du colo merveilleusement bien et qui fait aussi depuis quelques temps du DP. Ça fait longtemps d'ailleurs, j'ai pas regardé les vidéos, mais comme j'ai dit, c'est vrai qu'en ce moment je regarde pas du tout de vidéos de colo. J'ai du mal à regarder des vidéos, mais depuis que j'ai ma box orange, de ce fait-là, j'ai YouTube enfin sur la télé et je peux me permettre de regarder un petit peu plus de vidéos et c'est super bien. Donc là, en ce moment, je rattrape le retard que j'ai sur la chaîne d'Isa. J'ai encore 8 vidéos à regarder. Ouais, violet. J'espère que ça ne va pas faire trop de couleurs. Les fleurs bleues, les fleurs violettes, le champignon rouge. Et après, j'ai encore d'autres fleurs. Ça, c'est du muguet. Pour moi, c'est du muguet, mais du muguet, c'est blanc. Donc je me vois pas comment je vois pas comment je pourrais le colorier. Ou alors je l'ai fait d'une autre couleur. Ça, par exemple, ça aurait peut-être plus été des marguerites blanches aussi. Mais ouais, des fleurs blanches, c'est dur à colorier, quoi. Je vais essayer de faire tous les contours en violet. Oui, donc dites-moi comment vous allez, qu'est-ce que vous faites comme activité en ce moment. Mes abonnés qui se sont abonnés à moi pour le colo, je pense mystère du coup, comme j'ai jamais fait de vidéo. Je vous dis la seule vidéo que j'ai fait. Concernant le coloriage au crayon de couleur, c'est ce gros unboxing. Et je vous ai fait entre-temps sûrement, oui, des vidéos où je vous présentais des livres. Mais ouais, les vidéos où on colorie ensemble, et celles que j'ai faites, c'est avec du colo mystère. En fait, au début, je me disais, je me vois pas faire une vidéo coloriage crayon de couleur, alors que j'ai pas d'expérience et que j'ai rien à apprendre. Et ensuite, je me suis dit, Mallory, regarde. Par exemple, parce que je me parle à moi-même. Regarde le diamond painting, par exemple. Quand tu diamantes un objet spécial ou quand tu diamantes une toile, les gens qui viennent regarder ta vidéo, c'est pas pour apprendre à diamanter. Ils savent déjà diamanter. C'est pour passer un moment, écouter ce que tu racontes, voir le colo, le DP que tu fais. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi ça serait pas pareil pour le colo, finalement?
me parle beaucoup à moi-même. Tout à l'heure, je rentrais de la crèche. Et d'ailleurs, quelle heure est-il, mon fils? 2h55, je pars à 3h40. Ouais, dans 45 minutes. Ok. Donc j'étais dans la rue, je rentrais de chez moi, je venais d'accompagner mon fils à la crèche, et je me parlais toute seule, mais à voix haute. Bon, il n'y avait personne autour de moi, je vous rassure. Mais il y a un bus qui est passé à côté de moi, et la dame, elle est restée fixée sur moi, et elle a dû se dire, mais elle décaroche, elle parle toute seule, cette fille. Mais oui, je parlais toute seule, je ne sais même plus ce que je disais. Et si, je sais ce que je disais. J'étais en train de me dire, tu te rends compte, Mallory, depuis qu'Ali est née, ça fait 2 ans que tu n'es pas rentrée chez toi toute seule. Alors si mon mari est déjà parti un petit peu avec Ali, mais jamais bien longtemps, hein, jamais plus d'une heure, hein, ou grand maximum 1 heure. Voilà, donc je me disais ça. Je parlais toute seule. Voilà. Ah oui, c'est ça que je devais vous dire aussi par rapport aux crayons de couleur. Donc là, vous voyez, j'ai les Prismacolor, qui ont une super bonne réputation. Et d'ailleurs, même pour les débutants, parce qu'ils sont faciles d'utilisation pour les dégradés. Ce n'est pas des crayons de couleur qui sont secs. Alors, je ne sais pas si c'est à base d'huile ou de cire. Je crois que c'est de cire, non? C'est d'ailleurs pour ça qu'ils diminuent vite. En tout cas, ce n'est pas des crayons de couleur qui sont secs. Voilà. Et voilà, c'est ces crayons de couleur que j'ai là. Et je pensais il n'y a pas longtemps, j'aimerais beaucoup avoir une autre gamme de crayons de couleur onéreuse. Alors, ne me dites pas, oui, mais tu fais jamais du colo et t'es débutante, ça sert à rien. Je veux quand même une autre gamme de crayons de couleur onéreuse. Alors, attendez, qu'est-ce que je vais colorier d'autre là? Je pense que on va pas tarder à se laisser. Je vais peut-être te faire. Je sais pas. Merde, je vais faire les petites tiges là en verte. Là, je vais pas faire de dégradé, c'est trop fin. Et le vert foncé, je le garderai pour le dégradé des feuilles. Mais ça, je le ferai toute seule. Parce qu'après, je vais devoir vous laisser. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme vert? Allez, celui-ci. Celui-ci. Peut-être trop foncé, non, ça va aller. Du vert olive. Et ouh, ça me gratte à l'œil. Et voilà, j'aimerais beaucoup avoir une autre gamme de crayons de couleur. En fait, c'est pour pouvoir ne pas toujours colorier avec les Prismacolor. Parce que c'est vrai que les Prismacolor, ils sont très bien, mais si je m'habitue qu'à eux, après, je voudrais peut-être plus colorier avec d'autres crayons de couleur. Donc, j'avais beaucoup envie de m'acheter des Luminances. Mais les luminances sont très 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 chères. J'ai regardé là la boîte de 20. J'ai vu une boîte à 60 euros et une boîte dans les alentours de 90 euros. C'est très cher quoi. Vous voyez, je passe mon temps à l'enlever et le remettre. J'ai trop peur de trop tailler. Voilà, ça devrait aller là. Donc du coup, je me suis dit, je regarde pas mal, beaucoup des vidéos d'Hélène. Et elle, quand elle veut s'acheter une gamme de crayons de couleur onéreuse, pardon, elle les achète à l'unité petit à petit. Et donc du coup, je me suis dit, ça serait pas mal de faire ça. Parce que clairement, c'est impossible que je mette 200 ou 300 euros dans une boîte de crayons de couleur, là tout de suite maintenant. Impossible. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas en acheter tous les mois, une dizaine par exemple. Ou bien même les mois où c'est un peu plus compliqué, 5 ou 6. Ou bien rien même. Mais je veux dire, les acheter petit à petit. Ah, j'arrête pas d'avoir des miettes qui tombent. Du coup, comme je les achète à l'unité, dites-moi d'ailleurs, je pense sur le géant des beaux-arts. Après, il y en a peut-être à l'unité sur Amazon, mais ils seront plus chers, j'imagine. Donc, géant des beaux-arts. Et à Cultura, je sais qu'il y a des polychromos, je crois. Mais je pense pas qu'il y a des luminances. Donc, j'avais pensé à acheter un lot de départ de 20, c'est-à-dire, ouais, la boîte la plus petite. Parce que déjà, la boîte la plus petite, elle est bien chère. Et ensuite, les acheter à l'unité de temps en temps. Voilà. Ça me permettrait d'avoir une gamme de crayons de couleur qui coûte cher. Bah, sans mettre 300 balles d'un coup. Voilà. Bon, bah moi je vais vous laisser là parce que là je ne vois plus de tiges. Enfin, si, il y a des tiges ici à faire, mais
Je vais d'abord réfléchir aux couleurs des fleurs que je vais mettre, etc. Je vais garder mon vert là parce que je vais venir faire le dégradé des pétales. Mais ça, je le ferai toute seule. Ça fait déjà 35 minutes qu'on est en vidéo. Donc, je vais vous laisser parce que j'ai autre chose à filmer juste après. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous faire voir de près quand même. Mais voilà, c'est... On voit quand même un peu les démarcations. Il n'y a rien d'extraordinaire. Peut-être passer un petit coup de blender, mais... Je pense que la seule chose qui peut améliorer, c'est bah, l'apprentissage. Colorier, colorier, colorier. Voilà. Bon, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu, ce que vous faites comme activité en ce moment, si vous avez des questions à me poser, même si ça concerne du DP ou du point de croix ou peu importe. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis... À bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!